na bango. Na nakati na mitungisi pe bapasi na minyoko na bango. Bible lobi, babele la epa ya Nzambe, Nzambe atinde la bagoni lo bapeli lo baimikisa. Voilà. Yango tina yo sambe la ke, li lo bo yo lingi ko yo kasiko yo, e ya tout droit na vi na yo, pona tina la ko bikisa yo, pona tina la ko kangola yo, ko pambola yo, ko mema yo katina ko koka, ko kweisa li sumu, pe ko mema boyenge bene katina yo, a itilize pusama mousadi la ye, to sambe li na kombo na Yesu Kristo. Sambela Nzambe ateya yo. Eza confesse te oyo moto arete na kamaloba po soki alobi bato bakoyoka lisumu asalaki. Oeza nini kambo akoyebisa Nzambe teya ngai. Kaka ndenge na zoloba Nzambe teya nga na mungongo makazi. Nzambe ateya ngai alobela nga ponga na kokite. Naza na posa akobisa nga na kokoka Yesu. Iteya ya tongo na lelo oitilize puissama mosali na yo po ete na nzela na liteya liloba ya lelo elongola mabe nyonso eza komela kati na ngai kasi ebakiselanga boyengebele na yo. Merci Seigneur po ete kaka liloba moko wana yango nde ekobikisa ngai na nyonso ekokozala mapasi na nzoto yango nde ekopesa ngai esengo yango nde ekosalela ngai nyonso. Amen. Moi, na moninga, je ne sais pas ma banane. Téléphone na yo, tiens mon amour d'avion. Kuti kamoni prete. Lelo, pour libre circulation bloquée. Tokoluka ba porte na ba séance ko ya bazala ka wana soko bima petit besoin mais soyez daga ko kende conversation soko monika téléphone écran et pe si lumière ye bisa zonga zonga po message zo kende ko landa na libanda wana eleki lo ba nzambe na valeur te ata ba promettre yo nyonso na kati ya téléphone. Le nom n'a pas la ce qui est au bima. Ce qui est au bimi, le dimanche prochain, à Rosala, nous sommes à Nakokoyo Kambo. Nakokoyo Kambo, tout est ici. Au lit, au bongo de Kota, à côté de Bissosa. La 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 la
ma félicité. Oh Jésus, c'est toi qui m'as acheté, rempli de confiance en toi qui fais sauveur. J'ai vécu dans l'espérance et j'ai marché sans peur. Et je marche sans peur, ma richesse est ma voix et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi et tu m'as acheté. See you.
Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous a réunis ce matin pour la gloire de son nom. Dimanche. Aujourd'hui nous sommes le dimanche. Le 24 octobre 2021. Dimanche le 24 octobre 2021. Nous continuons notre enseignement sur le quatrième psaume. Nous continuons notre enseignement sur le quatrième psaume. Bon abat aussi bas en ligne, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui est pour tous ceux en ligne, que Dieu vous bénisse. Toujours enseigner dans l'Assemblée des Saints d'Arriwara. Nous tenons notre enseignement dans l'Église des Saints d'Arriwara. Dans la province de l'Ituri. À l'est de la République démocratique du Congo. Et nous savons que Dieu vous bénit là où vous vous retrouvez. Et la paix du Seigneur est à la peine ensemble et tout ça n'en va. Et que la paix du Seigneur soit aussi le partage de l'ensemble sur place. Yango to bandaki déjà le jour il y a vendredi. Nous avions déjà commencé le jour du vendredi sur Apocalypse 12. Na Apocalypse 12. Nous osons un mot pour nous comprendre aussi mieux dernière partie il y a Apocalypse 6 verset 7 à 8 dans le quatrième psaume. Nous prenons Apocalypse 12 pour mieux comprendre la dernière partie du quatrième psaume dans Apocalypse 6 le verset 7 à 8. Et en gros, toujours tendre aujourd'hui Apocalypse 12. C'est pourquoi nous lisons aujourd'hui Apocalypse 12. Parce que cela va nous aider. Nous le lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 18e. Nous nous levons au nom de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil. Moi si moko atipa makina moi la ligne sous ses pieds sans en assez dans ma colonne aïe et une couronne de 12 étoiles sur sa tête et motole moko a mioto zomina mi balé du colonne à moutouna aïe. Elle était enceinte. Azalaki na zemi. Elle criait. Azalaki ko ganga. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, Tala, c'était un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Mukila naye ezalaki kobenda teni na misato ya minzoto na likolo. Et le jetait sur la terre. Pe bwakaki yango na mabele. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. Dalagona telemaki liboso na mwasi oyo ebongaki abota. Afin de dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils. Il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône.
Et moi, wana a netolamaki pa na nzambe na epe na kiti na ena ngwende. Et la femme s'enfuit dans le désert. Pe moi si akimaki na kati na lisobe. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Wapi azalaki na esika oyo ebongisa maki po na ye na nzambe. Afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Po ete aleisa makuna mibu kamba moko na tuku mibale na tuku sambo. Et guerre dans le ciel. Et tombezalaki na likolo. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Michael na bangelu na ye babundisaki dalagona. Et les dragons et ses anges combattirent. Dalagona na bangelu na ye pe babundaki. Mais ils ne firent pas les plus forts. Kasi bango bazalaki na makasi te. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et sika na bango ezwamaki lisusu na likolo te. Et il fit précipiter les grands dragons. Les serpents anciens, ye nyoka na kala kala, appelé le diable, oya biangami zapu, et Satan, pe Satana, celui qui séduisit toute la terre, oya zimbisa mokili mobimba. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Abwakamaki na mokili pe banjelu na ye elongo na ye. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait, pe na yokaki na likolo mongongongo koma kasi ezalaki koloba, maintenant le salut est arrivé, sasa ipi lobiko ekomi, et la puissance, pe nguya, et le règne de notre Dieu, kokonza ya bo ya nzambe na biso, et l'autorité de son Christ, pe bokonzi na Christo na ye, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Oyazalaki kofunda bango liboso na nzambe na biso mokolo pe moyi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Balongi ponatina na makila ya mwana pate. Et à cause de la parole de leur témoignage. Pe ponatina na liloba ya litato li na bango. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Balingaka bomoi na bango te kino na kubanga liwa. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Yangotina makolo bosepela. Et vous qui habitez dans le lieu, dans les cieux. Pe bino ba ebofanda kana makolo. Malheur à la terre et à la mer. Mawa na mokili pe na mai monene. Car le diable est descendu vers vous. Po zabulu akiti epai na bino. Animé d'une grande colère. Wana azali na kele monene. Sachant qu'il a peu de temps. Wana yebi ete aza na tango moke. Quand le dragon fit qu'il avait été précipité sur la terre. Tango dalagona amonaki ete abwakami na mokili. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mal. Alanda ki mwasi oyo abota ki mwana ya mobali. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme. Pe mapapu mibale ya pongo monene epesamelaki na mwasi. Afin qu'elle s'envola au désert. Na tina ete apumbuka na esobe. Vers son lieu. Na esika na ye. Où elle est nourrie un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Wapi azali koleisama na tango moko na tango moko pe na eteni ya tango. Loin de la face du serpent. Mosika na elongi na nyoka. Et de sa bouche. Pe na monoko na ye. Le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Nyoka wana a bimisaki mai lokola ebale sima na mwasi. Afin de l'entraîner par le fleuve. Na tina ete amela ye na nzela na mai wana. Et la terre secourit la femme. Pe mabele eyela ki mwasi lisungi. Et la terre ouvrit sa bouche. Pe mabele fungola ki monoko na yango. Et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Pe melaki ebale oyo dalagona abimisaki na monoko na yango. Et le dragon fit irrité contre la femme. Pe dalagona atsilikela ki mwasi. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Pe akende ki kobundisa. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Que Dieu bénisse les lecteurs. Amen. Offrandi par la grâce de Dieu. Rassurons-nous par la grâce du Seigneur.
Et dans la maison du Seigneur. Et nous savons que nous sommes venus dans la maison du Seigneur. Et que réellement, et dans la maison du Seigneur. Et que réellement, ça se fait voir que nous sommes venus dans la maison du Seigneur. Et à la maison Yabiano. Et ça dit Tango Yabiano. Donc Tango Ozali ko Bikela. Lorsque tu vis cette pensée de venir devant le Seigneur, c'est Dieu là saura comment t'assister. Donc, distrait. Donc, ne sois pas distrait. Le Seigneur saura accomplir dans ta vie de bon grade. Tu n'es pas venu voir un homme. Mais oye pas Mais tu es venu chez le Seigneur. Et toi-même, tu sentiras en toi que tu étais venu chez Dieu. Parce que pas mes aventures. Parce que chez Dieu, ce ne sont pas des aventures. Mais en de la piété. Les alliés, les mêmes La dossier, tu les crains, tu les respectes. Et il te donnera ce qu'il te faut. Si tu es du côté de Satan et que tu viens ici, parce qu'il ne manque jamais. Lorsque Jésus était sur la terre, il y avait aussi Judas Iscariote à côté de lui. Dans Job chapitre 1, lorsque le Fils de Dieu se réunit, Satan vint au milieu d'eux. De la même manière, il peut se trouver un frère qui est ici, mais avec l'esprit de combattre les autres. Mais nous avons la promesse que le Seigneur a sa mission déjà plus que vainqueur. Que le Seigneur nous a déjà fait de plus que vainqueur. Et la parole est ici, Bisso. Et la parole nous a dit celui qui est en nous. Est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, quel que soit le combat, celui qui est venu combattre, il doit s'attendre à un échec. Échec, parce que l'échec n'est que pour le côté de Satan. Il y a la victoire. Du côté de Dieu, il n'y a que la victoire. Toi qui es venu vraiment pour que Dieu te révèle ces choses. Disposé vraiment, vraiment sois disposé, le Seigneur va te parler. Le Seigneur a yaka en aide à la postérité d'Abraham. Zamba yaka na lisungi na ba na balama. Lorsqu'on dit fils d'Abraham, cela veut dire celui qui a la foi en lui. C'est lui le fils d'Abraham. Si tu as la foi en toi, le Seigneur viendra en aide dans ta vie. Le Seigneur n'aime pas le doute. Il faut que tu croies en toi que le Seigneur te fera de merveilles. Et dans la correction géographique, il y a un placement, il y a Mboka, il y a Nice. Et il y a l'emplacement d'une ville de Nice que j'avais parlé autrement. Parce que dans le Bela qui est en Katanazote, il y a un Bela qui conférence pour Isalema qui est Nice. Parce qu'en préchant, j'avais parlé de la conférence qui s'était passée à Nice. En l'an 325. C'est là qui conférence, il y a débit, il y a église catholique. C'était la conférence du début de l'église catholique. Mais dans le Baki, dans la place qui est en bonne église en France. Mais je l'avais placé comme une ville de France. Lobby, na sorola qui na un bien-aimé aussi en France, frère Patrick. Hier, j'avais parlé avec un bien-aimé en France, le frère Patrick. Il la Kingaï, moi capture sur ville ya Nice. Il m'avait envoyé une capture sur la ville de Nice. Et Zali na Turquie. C'est en Turquie, bien-aimé. Comme nous avions dit que c'était en France, c'est plutôt en Turquie. Ouais, les agaga en placement géographique. Là, c'est seulement l'emplacement géographique. Mais tout ce que nous avions dit à propos de cela est vrai. Et vrai, sauf l'emplacement. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, l'église romaine catholique est bandaki na Nice, c'est-à-dire na Turquie.
L'église catholique romaine avait commencé à Nicée, qui est en Turquie. Ok, awa nazotala ndenge ba lobeli yango, soko consulter na Google, soko mona yango na internet. Si vous consultez l'internet, vous allez voir l'emplacement de cette ville. Que Dieu bénisse. Zambé a pambola bino. Et tu as déjà Apocalypse 12, tu as dit que tu as dit par la grâce de Dieu. Et nous venons déjà de lire Apocalypse 12 par la grâce du Seigneur. Je vous avais dit ceci, bien aimé. Que l'Apocalypse 12, il y a un moko ezali basso. Que Apocalypse 12 est lui-même le sceau, ce chapitre-là. Il faut bien saisir comment est-ce que nous marchons dans la parole. Et je vous avais aussi montré Apocalypse 17, 18. Apocalypse 17 et 18. C'est le même qui est dans le sceau que nous exploitons. De plusieurs manières, de plusieurs reprises. Les Seigneurs parlent de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Tant que total qui la femme Oyazali na Apocalypse 12. Lorsque nous avions vu la femme qui est dans Apocalypse 12, tout mon akine, qu'est-ce que nous avions vu? C'était une vision que Jean Zomon. C'était une vision que Jean était en train de voir. Azomona cette femme aza na grossesse. Jean était en train de voir cette femme enceinte. Tolobaki, on avait dit eloko nyonso kotanga na Apocalypse. Tout ce que tu peux lire dans le livre d'Apocalypse, il faut zonga sima okende kotala mwe pa ba prophète. Il faut retourner en arrière pour lire dans le prophète. Wanande okoteya makoma miyanzambe. Et c'est là que tu vas prêcher les Écritures de Dieu. Maintenant, lorsque nous voyons la femme enceinte, toluki nakati écriture ya Moïse, nous avons cherché dans l'Écriture de Moïse, moi si azalaka na zemi, quand pe place nini? Quand est-ce que la femme est enceinte et où? Tu utilises qui? Deutéronome 7. Verset 14. Nous avions utilisé l'écriture de l'Éternel 7, le verset 14. On a Bible lobby. Là-bas, la Bible nous dit na pays où yo bokokota, dans le pays où vous entrerez, moi si ya kosopaze mi akozalate, il n'y aura femme qui avorte, moi si stérile akozalate, ni celle stérile. Même écriture est dans Deutéronome 7 au verset 14. La même écriture qui est dans Deutéronome 7 le verset 14. Toyaki tomoniango Exode 23 verset 26. On l'avait vu encore dans Deutéronome dans Exode 23 le verset 26. Pour comprendre, on a compris que moi si sokaza na pays ya promesse, que si une femme se retrouve dans le pays de la promesse, il faut azala na zemi. Il faut qu'elle soit toujours enceinte. Sokaza stérile, si elle est stérile, c'est qu'elle n'a pas côté pays à promesse de. Cela veut dire qu'elle n'est pas encore entrée dans le pays de la promesse. C'est ça la loi de Dieu. Yangonde mopeko ya Nzambe. Maintenant, pour avancer. Maintenant, on avait avancé. Parce que dans Tozoaka, Jean chapitre 3, verset 12. Parce que lorsqu'on avait pris Jean chapitre 3, le verset 12. Le Seigneur a le béni de parler naïe. Le Seigneur a parlé de ces deux parler. A le béni, quand je vous ai parlé des choses terrestres, tant qu'on a le béni qui bino ma kamouya ma béni, vous n'avez pas cru. Bino ni ma quitté. Comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Bino bo kondimandenge ni tant qu'on a le béni qui bino ma kamouya ma kolo. Et le béni en zambé. Donc le langage de Dieu, donc il y a le langage des choses terrestres, il y a aussi le langage des choses célestes. Les choses terrestres, c'est celle que le Seigneur avait donnée à par la méditation de Moïse. Mais lorsqu'il avait appelé Moïse sur la montagne, Exode 25, si tu prends Exode 25, verset 41, tu lis le verset 40, vous allez voir que le Seigneur dit,
Vois et fais selon les modèles qui t'a été montré. Et c'est ce que le livre d'Hébreux aussi a répété. Hébreux dit ceci. Makambo ezala ki avant ezaki ba image pe ba ombre ya biloko yeye mena na boyokani oyo tozana ngo lelo. Le chose qui était avant n'était que l'image et l'ombre de celle que nous avons aujourd'hui. Hébreux 10. Si vous prenez par exemple Hébreux chapitre 10, na verset premier, au verset premier, alobi la loi mobeko possède ezali l'ombre na ilili de bien à venir. Il y a Ozu, Oye Sekeleya. Dans la loi, en lisant les livres de Moïse, il y a ombre. Et il y a les ombres là. Ou bien images. Ou bien les images. Il y a Makambo, il y a l'Apocalypse. Makambo, il y a l'Acte des Apôtres, il y a l'Abisso, il y a grâce. Des biens à venir qui sont dans notre temps de la grâce. Donc ces biens-là sont cachés dans la loi. C'est pourquoi totala ki ngini nzamba za ko pesa parole na ye na kati ya libota Israël par ba prophète ou ezali tant ya ombre bien image. Pourquoi nous avions regardé comment est-ce que le Seigneur donnait sa parole à Israël pendant le temps des images ou de l'ombre des choses. Tu utilisais un passage pour le frère Paul à l'objet. On avait utilisé un passage où le frère Paul nous dit dans Colossiens 2, dans Colossiens chapitre 2, on va partir du verset 16e à 17e. À partir du verset 16 jusqu'à 17, à l'objet, Moutoumon côté à ton guisabinon au sujet du manger et du boire. Que personne ne vous inquiète au sujet du manger et du boire. Au sujet d'une fête. Nao Italie et Loulou ya Moubeko. À l'objet, Yango Isalaki, l'ombre de biens à venir. Oli a peko melaona naba miluluana ezalaki bililingi ya makambo esekelaki. Nzoto nango est en Christ. Nzoto tobo solo nango ezali na kati ya Christ. C'est comme ça les apôtres ba enseignaient qui parole. C'est comme ça que les apôtres avaient enseigné la parole. Bazalaki tango bazotalisa makambo eza na tango na biso. Ils étaient là quand ils parlaient des choses qui sont de notre temps. Il faut basillonner dans le livre ba Joël. Il faut qu'ils puissent sillonner dans les livres du prophète Joël. Ba livre ba psaume. Psaume, le livre de Moïse, le livre de Moïse, pour pas confirmer l'idée à temps, oui. Pour qu'il puisse confirmer l'enseignement ou la prédication de ces temps. Parce que Jésus, dans Jean 4, le biatinda qui bango na bilanga oyo basu sunde balona. Parce que Jésus, dans Jean 4, dit qu'il leur avait envoyé dans les champs où d'autres avaient semé. Bino bobi kuta déjà molona pe babiloko ba subalona kinde bino bobuki. Et vous êtes entré dans le champ d'autrui pour moissonner. Voilà dans Jean 4 verset 36. Là dans Jean 4 à partir du verset 36. Donc c'est que na kati na yango tozo comprendre. C'est-à-dire dans tout cela nous comprenons. Jean wana Yesu alobaki ezande ba prophète. Les champs dont parlait Jésus-Christ c'était le prophète. Na tindande ba disciples ba kende kaka na champ ba prophète. Mais il avait envoyé seulement ses disciples d'aller et n'allez que dans ces champs-là de prophètes. Si tu lis dans les écrits de Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans la chair comme ça, tu ne vas remarquer en aucune place où un disciple dit à Jésus que j'ai mes champs et je dois aller travailler dans les champs. Pourquoi il n'y a pas un tel écrit? Spirituellement et pour que cela spirituellement pour nous expliquer que les apôtres n'avaient pas leurs propres paroles. Les apôtres n'avaient que la parole qui était celle des prophètes et ils l'ont prêché. Ce qui toujours dit Jésus a dit qui c'est mon tout. Si nous croyons que Jésus a guéri un homme tout entier, c'est lorsque nous prenons les miracles que Jésus avait fait. À un autre endroit, Jésus guérit les yeux. À un autre endroit, il guérit la langue, la bouche. À un autre endroit, il guérit les oreilles. À un autre endroit, il guérit les bossus. À un autre endroit, il guérit celui qui en appelle hydrophobe. Place Moussoua Bikisi Moutali Boma. À un autre endroit, il guérit le fou. Fou de Gadara.
Donc son esprit, sa tête ne fonctionne pas. Jésus le rend normal. À un autre endroit, il guérit le paralytique. Le paralytique de Jean 5. Et Jésus le fait maladie depuis 38 ans. Parce qu'il avait commencé sa maladie depuis 38 ans. À un autre endroit, il guérit les lépreux. Si tu prends tout le miracle de Jésus et tu l'ange, et cela va te faire ressortir tout tes noms guéris. Fais cet exercice. Cela te fera sortir tout tes noms restaurés. Jésus avait fait tous ces miracles pour montrer que c'est sa lèvre qui t'accomplira à la croix. La croix a zoko restauré Adam. À la croix, il restaure entièrement Adam. Adam beba ki mobimba za kia kokufa. Adam était détruit, il était mort. Place mutu a sekwisi moi. À un autre endroit, il ressuscite le mort. Désotari sake yende a yekopé sa bomoi. Et c'est ce qui montre que c'est lui qui est venu donner les salons. Donc l'écriture a toujours un mouvement physique. Donc l'écriture a toujours des mouvements physiques. Pour expliquer le spirituel. Pour expliquer le mouvement spirituel. C'est comme ça la Bible. Et ça n'est pas mot de Bible. C'est pourquoi tu vas remarquer la terre ou le pays dont le Seigneur avait parlé à Israël de posséder. Stérilité. Il n'y aura pas de stérilité. Abenga mabele wana repos. Le Seigneur a appelé ces pays là où cette terre le repos au pays. En lisant Hébreux 4. Or, na création, or dans la création, le repos était tout un jour, sabbat. Oezali sabbat. Mais le nom qu'on avait donné au jour, c'était ce nom-là qu'on avait nommé le pays de Cana. Le repos, donc le septième jour. Comme le septième jour. Alors on avait marché dans cela. Bon, c'est Jésus qui avait dit dans Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Donc c'est lui qui est cette véritable terre du repos. On avait marché petit à petit par la grâce de Dieu. Que Jésus-Christ, ce qui est notre repos à tous, Israël l'avait rejeté. Parce que Jésus, c'est la parole. Oui, Jésus-Christ, on est l'Iloba. Et Jean chapitre 1er, l'Obi. Et Jean chapitre 1er, l'Obi. Au commencement était la parole. Nebanela et Salaka, l'Iloba. Et la parole était avec Dieu. L'Ilobe Salaki Nanzambe. La parole était Dieu. Ben l'Ilobe Salaki Nanzambe. En elle était la vie. Nakati l'Iloba, Bomo et Salaki. En elle était aussi la lumière. Ben Bomo et Salaki pour la lumière était la lumière du monde. Ben Paul et Salaki pour les abattus. Et cette parole s'est fait chair. Ben l'Iloba, on est mis à l'Izoto. La parole est yé vers ses siens. La parole est venue vers ses frères. Mais Bible le dit. La Bible nous dit. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Aïe pas bandekonaïe, kasi bandekonaïe, bayambiye. Israël a rejeté la parole. Israël avait rejeté la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Et l'ilobawana de Jésus-Christ. Cette parole, il y a une véritable terre et promesse. Et c'est cette parole qui est la véritable terre promise. Donc Israël en réalité. Donc Israël en réalité. N'est pas entré dans la véritable terre promise. Parce que ma belle abo bemi a solo est en Christ Jésus. Parce que la véritable terre de repos c'est Jésus Christ. Au bemi ani. Le repos. Au bemi ami salanion soya ma bemo yekota ki nanzela li sumo ya Adam. Le repos de toutes les mauvaises œuvres qui étaient entrées par la chute d'Adam. Bonjour au bemi na yango fou en Jésus. Donc pour recevoir les repos de ses œuvres, il faut entrer en Jésus. Dans côté en Jésus et Kobo et Kimi. Lorsque tu entres en Jésus, l'impudicité te quitte. La haine te quitte. Olula et Kimi. La convoitise te quitte. Magie et Kimi. La magie te fuit. Nature nionso est abominable. Tiki yopo otambo la mena avec le Saint-Esprit. Toute nature abominable te quitte pour marcher selon le Saint-Esprit.
C'est ça le repos. C'est pourquoi Paul de son côté avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ n'est qu'au bica tati nanga. Si tu entres dans le repos, tu vas refuser des courtes jupes. Tu vas refuser de porter des vêtements qui exposent ta poitrine. Et puis aux inconscients. Tu vas refuser de porter des vêtements qui te serrent le corps et te dessinent derrière. Et aux anayons, aux inconscients, et tu es conscient en sortant de la maison que j'ai porté un vêtement qui n'a pas de pudeur. Et là, tu n'as pas encore reçu. Mais le repos pour toi, bien-aimé, entre dans ces réponses. Si on te voit avec de la cigarette à côté, toujours la bière en train de te livrer en cachette, tu n'es pas encore entré dans le repos. Nous n'allons pas changer la parole, nous allons l'appeler telle qu'elle est. C'est nous qui devons devenir meilleurs. La parole doit ne rester que la parole. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, Israël a rattaqué Koko Tabopé. Israël avait raté d'entrer dans le repos. Parce qu'il a boiti Jésus. Parce qu'il avait rejeté le Seigneur Jésus. Mais Balobi, mais on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non ni de la chair, mais par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu verras un enfant de Dieu. Il aime son frère en Christ plus que ses frères biologiques dans la chair. Il aime sa maman dans la foi plus que sa maman biologique dans la chair. Écoute pour suivre le Seigneur. Si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne renonces pas à ta mère, papa na à ton père, na et à tes frères et sœurs, tu n'es pas digne de me suivre. Là, on n'a pas dit que de commencer à haïr tes frères biologiques. Na bango davantage. Donc ça, il faut les aimer davantage. Oboya wana ezali ba pensée na bango oyoyo ezali yenano na ba kutim. La tradition des hommes. Donc, renoncer à ta famille, c'est renoncer à leurs pensées qui sont liées aux choses des hommes. Cela ne veut pas dire que tu puisses haïr les membres de ta famille. 1 Timothée 5, et le dit, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pur qu'un païen. Parce qu'un frère nous dira, on a dit de renoncer aux membres de notre famille, il n'y a plus moyen de leur envoyer l'argent. 1 Timothée 5, là, tu vas tomber sous le filet de 1 Timothée 5. Il dit, oyoyo, azali ko sunga bande konaete yanzoto za pire qu'un païen. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un infidèle. Sokozana yeloko sunga de kono yanzoto. Si tu as quelque chose, il faut aider les membres. Mais ozo boya ye ezana lo lenge oyo bango bazo concevoir makambo. Mais tu renonces à ces gens-là de la manière dont ils conçoivent les choses. Ozo considéré ya Christ kaka. Maintenant tu commences à considérer la parole de Christ. Parce que ezana mutu mususu. Parce qu'il y a d'autres gens. Akoki kozala wa. Il peut être là. Mais soki azongi mboka pa banoko na ye. Mais s'il retourne au village, ce sont chez ses oncles. Atie musique aboko. Et qu'on met la musique à Bolata. Il va porter le pas loketo, sur la hanche. Il commence à suivre les pas. Là, tu n'as pas encore renoncé à ta famille. En train de chanter la musique ancestrale. Et toi, tu sens vraiment. Donc, tu sens vraiment la joie du village. L'autre dit, c'est la coutume que Dieu avait donnée.
il y a des choses du diable dans ma tamou ce soir. Et ça n'est pas le coup à ça pour le dans d'autres choses. L'adoration est à Christ. L'adoration n'est que pour le Christ. L'adoration est à ce que par autant il est comme un coco na yo. L'adoration n'est pas là pour citer les noms de tes ancêtres. Il y a un nom qu'on a yo. Les noms de tes ancêtres. Explore à ça là qui sont comme un maquis de ou pas. Les espoirs qu'ils avaient fait par exemple à tuer les léopards. Sont comme un maquis nyoka. Oui, il avait tué le serpent. Et c'est ça les chants que tu écoutes. Yoyemba molongi ya liwa. Il faut chanter le vainqueur de la mort. Yemba oya kuisa Satan. Il faut celui qui avait précipité Satan la kombo na Yesu partout au Kosa. Confesse le nom de Jésus partout tu vas te retrouver. Tango la kombo Yesu partout au Kosa. Lorsque tu vas confesser le nom de Jésus partout tu te retrouveras. Le grand Dieu ya kuse manifester na autorité na ye. Le grand Dieu va se manifester dans toute son autorité. Parce que Dieu est grand. Il y avait un temps par la race de Dieu, témoignage. Et mon corps mon père, Bazalaki Moussikanangai. Mes parents étaient éloignés de moi. Azalaki kondi mati évangile onga na hôtel. Il ne croyait pas à l'évangile que je prêchais. Azabwe psanga mwana opengwi. Il me disait mon fils tu es séduit. Makambwa solo eza biso catholique. Les bonnes choses, la vérité c'est dans l'église catholique. Et ça li kaye ko bela sérieusement. Il s'est fait qu'il a souffert sérieusement. Azalaki à 120 km nangai. Il était 120 km du lieu où j'étais. Mais loko la bango église catholique. Mais comme l'église catholique. Bazalaka na banchantement na bango. Ils ont leur enchantement. Kila, kila. Donc, bango okende pa banganga, c'est normal. Donc, aller chez les féticheurs, c'est normal. Les amas bêtes, ce n'est pas mauvais. Bon, à bango, à Boris 18, le bique enchantement à Babylone, ils ont au-dessus. Parce que Apocalypse 18 même témoigne que l'enchantement de Babylone sont au-dessus. Donc, ce sont des grands magiciens. Donc, si tu vois un grand magicien, Adalobi Azak Islam, Azak catholique. Même s'il dit qu'il est musulman, sache qu'il est catholique. Parce que c'est l'écriture qui les confirme. Aza la mère de toutes les abominations que ils ont salé manamabélé. Mama ya bambeba yonso ya mbélé. Alors, bazui banganga ba famille na bango. Alors, on a pris les féticheurs de leur famille. Pobaluka bazongi saye na mayele parce qu'a perdu la connaissance. Pour qu'on puisse le faire et devenir normal parce qu'il veut perdre la connaissance. Banganga baye kuna. Les sorciers sont venus. Bameki. Ils ont essayé les numéros. Bako kite. Ils ne sont pas parvenus. Bako d'aller chercher un autre féticheur. Aïe. Moi j'écoutais seulement. Aïe. Bako kite. Ils ne sont pas parvenus. Maintenant, bazo ya troisième gang. Maintenant, on a pris le troisième féticheur. Lui là est fait mission. J'apprenais seulement les choses. Et moi j'ai pris d'abord mes prières, je les ai cachées. Troisième gangai. Troisième féticheur. Hassan. Il a pris, il a fait des enchantements. A coquitté. Et papa n'était pas toujours guéri. Bakene mba mon hôpital, il n'est qui m'a kapo à fanda et preso à kati motema. On l'a amené uniquement à l'hôpital afin que si l'arrivée qu'il meurt, qu'on le mette à la morgue. Namoni aîné n'a dit soison qui m'a watché. Notre frère aîné retournait vraiment. Je lui ai posé la question qu'il y a. Ils m'ont dit les féticheurs ont fait tous les numéros, ils ne sont pas parvenus. En retournant son silo, je suis venu seulement prendre l'argent pour préparer les choses. Les toute la famille déjà prépare l'argent parce que papa est mourant. J'ai dit, oh, le féticheur n'a pas pu. Et le troisième là avait dit, si lui ne parvient pas, c'est fini. Mais j'ai dit, maintenant, comme ils ne sont pas parvenus, maintenant mon tour aussi est venu. J'ai pris les papiers. J'ai commencé à écrire, papa. Les esprits là qui te retiennent, je les chasse. Loba. Et puisse bien parler. Ika. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai donné à mon frère aîné ces papiers. Je lui ai dit lorsque tu iras à l'hôpital voir papa. Fais-lui seulement voir les papiers où j'ai. Moi je suis loin. Grand frère n'a qu'un papier. Le grand frère n'a pas apporté les papiers au village. Il a amené les papiers jusque dans la chambre. Il a appliqué tel que je l'avais dit.
papa soki normal et papa retourné normal la soupa à la fin a commis lettre il a lui-même écrit la lettre a dit mon fils moi n'a pas mon Dieu qui t'y adore c'est un vrai Dieu ça me on sait la casa de papa solo bambo na bambo no sponde makina lero wana pona pona sekei pona nini bazongi ils sont rentrés avec tout l'argent préparé pour les fêtes. Avec la joie en ces temps-là. Là, on va reconnaître que le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant. Là, ils ont reconnu que le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui est puissant. Parce que Dieu est grand, il faut qu'on dimanche. Il est grand. Oui, Zambé Azali, mon aide, il faut qu'on dimanche. On doute pas de la grandeur. Il ne faut pas douter de sa grandeur. Si tout place au monde, l'ennemi a côté. Surtout, tu vois, l'ennemi a fait son accès. Tiens, tout. Mets la tête là-bas. Jésus a remis sa victoire. Et Jésus donnera la victoire. À dans la famille, même dans ta famille. Tu vois qu'ils n'ont pas obtenu de solution dans leur pays. C'est pointé par la foi. Pointe-toi par la foi en Jésus-Christ. Jésus. Et tu vas prêcher ton Jésus facilement. Dieu va intervenir. Le nom de Dieu est grand et puissant. Le nom de Dieu est grand, puissant. Il ne faut pas douter de ce nom. Tellement grand. Un nom tellement grand. Il faut qu'on s'allie la kango par la foi. Il faut se servir de ce nom-là par et Dieu le fera. Et il s'en va pour ça la terre. C'est pourquoi tous autres les que c'est pourquoi nous montrons ceci. Ma coutume. Le coutume. Toutes ces choses-là que tu pourrais voir. Adoration. Les adorations qu'ils font là-bas, ce n'est pas la parole. Et ça, il obate. Yo tikala na position parole. Toi, demeure dans la position de la parole. Lorsque tu rejettes leurs adorations-là, cela veut dire que tu les as haïs. Lorsque si tu refuses autre chose à toi, cela veut dire que tu as renoncé aussi à toi-même. C'est alors que Jésus deviendra à toi. C'est comme quelqu'un qui peut dire, moi j'ai la crainte de Dieu. C'est seulement les bijoux que j'ai. Les seigneurs ne font pas d'autres qui sont impliqués. Moi j'ai trouvé seulement mon nom. Mais j'ai crainte. Dieu. Vous voyez les langages? Moi j'ai craint Dieu. Mais j'ai seulement mis. L'oba un peu de levain fait lever toute la pâte. Faut le moquer et yebaka na kovu misana. Mi boya. Il faut renoncer à toi. Néo konanda Jésus bien. C'est alors que tu vas bien suivre le Seigneur. Soko mi boyite. Si tu ne renonces pas à toi-même, o konanda Jésus. Tu ne vas pas non plus suivre Jésus. Tu auras toujours des arguments. Tu auras toujours des choses à toi que tu vas élever. Parce que moi, dans un peu, ça a la volonté de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit faire la volonté de Dieu. Pas sa volonté. Non sa volonté. Même en toutes choses. Tu es à la maison avec les enfants. Avant qu'ils se rendent à l'école. Bénir bango. Commence d'abord par les bénir. Bazongi. Ils rentrent. Bénir bango. Bénis-les encore. Malobanayo parents ils ont la puissance. Les paroles à toi parents sont puissants. Osa la facilité à copier c'est un bon mot pour son délégit. Tu as la facilité de lui donner l'argent du jus. Ce n'est pas un mauvais. Et ça m'a une mauvaise chose. Mais pourquoi tu me dis ça malobaté à son yokake kola pambolayo. Mais pourquoi tu ne fais pas sortir les paroles de bénédiction sur lui. Mais osa la facilité à kolobaké. On a passé la guinée. Mais tu as la facilité de dire qu'est-ce qu'on a demandé à l'école. Donc tu as le premier trimestre. Où nous payons le premier trimestre. C'est bien. Mais le premier trimestre, c'est un problème spirituel. Mais le premier trimestre n'a pas de problème spirituel. Tu ne connais pas l'état d'âme de tous les enfants avec qui ton fils est. Tu ne connais pas les sortes de combats qui sont à l'école. Il y a d'autres enfants qui sont intelligents. Lorsqu'ils arrivent à l'école, ils régressent vraiment. Il ne faut pas d'abord te précipiter à les frapper. Prends le temps de prier en faveur de tes enfants. Tu vois un enfant très
turbulent. Sache que c'est un esprit qui veut agiter moi. C'est un esprit qui agite l'enfant. Et le rôle de cet esprit, mal à l'aise, maman, papa. C'est pour vous mettre mal à l'aise, vous, ses parents. Ils savent que vous aimez trop vos enfants. Maintenant, pour vous déranger, à déstabiliser via moi. Ils cherchent à déstabiliser la vie des enfants. Et gastrite. Et cela peut engendrer la maladie de l'estomac. Cela peut engendrer des tensions. C'est avec les agitations de l'enfant. Voilà l'importance de prier. Il faut prier. Bénir les enfants. Souhaiter du bien. Souhaite du bien à tes enfants que tu as. Si tu n'as pas des enfants, il faut toujours dire au Seigneur, Seigneur, j'allaiterai. Le Seigneur qui a donné Sarah un fils dans sa vie. Les mêmes Dieu. Ça peut en avoir. Asa les mêmes ne change pas. Asa dit le légume quoi bon manité. Il fera aussi. Il faut le macabon. Il faut confesser la sorte. Nous sommes vivants par la foi. Nous vivons par la foi, bien aimé. Osana ma situation difficile. Tu es dans des situations difficiles. Avec Dieu pour changer. Le Seigneur n'aime pas nous voir dans des soucis. Il montre toujours que prend des soucis et décharge-les sur lui. Sambela. Prie à Dieu. Osani ma bongo. Tu manques le moyen. Pour résoudre ma problème. Pour résoudre tes problèmes. Contiens soucis père. Il ne faut pas mettre des soucis. Ne pense pas, il ne faut pas beaucoup penser. Prends tes soucis là et dis-les au Seigneur. C'est lui qui nous pourvoit ce qui est terrestre et céleste. C'est la foi. Que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Donc, c'est que dans tout cela, là je montre comment quelqu'un doit marcher avec Christ dans ce chemin de la foi. C'est là où il y a condiment pour montrer qu'il s'est reposé de ses mauvaises œuvres. Donc Israël a boya repos. Israël avait rejeté le repos. Le repos c'est Christ. Le repos c'est le Christ de Jésus. Les éléments sont allumés à côté de Salolenge Moutazui repos. Tous les éléments que j'ai dit c'est pour montrer comment quelqu'un reçoit le repos. Lolenge ni ne singela bikena. Comment est-ce qu'il doit vivre? Être en Christ. Christ. Il y a des bonnes œuvres qui préparées avant la fondation du monde. Il y a des bonnes œuvres que le Seigneur avait déjà préparées avant la fondation du monde. Donc, Ephésiens 2, verset 10. On avait donné l'écriture d'Ephésiens 2, le verset 10. Donc, aussi Ephésiens 1. On avait aussi donné Ephésiens 1. Verset 3 à 4. Le verset 3 à 4. Dans nos autres, c'est que Zamba prépara au centre de l'abysson avant la fondation du monde. Lorsqu'on a montré que le Seigneur avait déjà préparé notre sainteté avant que les mondes soient. Alors, tant que vous la parole, alors, lorsque tu prends la parole, il dit, cela veut dire que tu es dans la terre des repos en Christ. Nakatia Christo. Mais Israël a boiti Christ. Mais Israël a rejeté le Christ. A crucifié le Messie. Il n'y a pas qui. Alors, tu as une écriture moko vendredi. Alors, le vendredi, on avait pris une écriture. Dans Jean 16. Dans Jean chapitre 16. Au bandage à partir du verset 21. On avait commencé à partir du verset 20. Donc, il a été le verset 25. Jusqu'au verset 25. Là, Jésus a comparé l'église. Jésus était en train de comparer son église. À une femme en travail. Où elle est enceinte. Elle a une douleur d'enfantement. Na moi sur Azalina Zélipé, na Katia Passia Kubota. De Akokanisi Pisona Église. Et Jésus. Na moi si Azélipé. Et Jésus nous compare à cette femme enceinte. Wana Jésus dans le bien. Là, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Dans Jean 16. Dans Jean chapitre 16. Au banni dans verset 20. À partir du verset 20. Au quitté dans verset 24. Jusqu'au verset 24. Jésus a confirmé que l'église est à moi si Azélipé. Jésus nous a confirmé que l'église est une femme enceinte. Ils sont comprendre à partir de la loi de Moïse. Et nous avons compris à partir de la loi de Moïse. Moi si Azélipé. La femme est enceinte lorsqu'elle est dans la terre ou dans le pays de la promesse. Et le pays de la promesse est tout
un jour. Oyo David a prophétisé que na psaume 118. Le jour que David avait prophétisé dans psaume 118. Au balai na verset 19e, tient na verset même 23e. À partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Alubeli angoana. David en a parlé. Dans psaume 118. Dans psaume 118. Verset 19 à 23. Le verset 19 à 23. Là, Talisi. Là, David a montré. Tout en guiango au nom de Jésus Christ. Nous lisons cela au nom de Jésus Christ. Psaume 119. Psaume 118. 18 plutôt. Verset 19. Le verset 19. L'écriture des Oïbes s'est mis sur vous à partir du verset 19e, tenant 24e. Ouvrez-moi les portes de la justice. Au fond, on est la taille du couquet, il y a moyen que j'entrerai. Nakokotaka. Je louerai. Pé nakokumisaka. Toloba qui ouvrez-moi. Azali pour s'adresser. Nanzike na ebele na bato ba fokolela ye. Quand David disait ouvrez-moi, c'est-à-dire il s'adressait à beaucoup de gens. Ba prophète nyonso bato nyonso nangi bazalaki. Donc tous les prophètes, tous les gens qui étaient venus à la Rosenga ba fokolela ye porte ya justice. David demandait qu'on puisse l'ouvrir le porte de la justice. Awa prière oyo eza elembo ya Adam. Ici cette prière David est le signe d'Adam. Parce que Adam des Zambia chassa qui a kangi chemin arbre de vie. Parce que c'était Adam que le Seigneur avait chassé et il a barré le chemin de la vie. Nakati Adam postérité nion so Adam et Zanakati. Et dans Adam il y a toute sa postérité. Oyo tozara qui collait la bonne posonka na Eden. La postérité qui pleurait pour retourner en Eden. Toutangi encore. Nous lisons encore. Bapengi pa porte wana. On a appelé ces portes. Voici la porte de la justice. Tala ekuke moko ya Yahweh. Balobeli ekuke moko ya boyenge bendia Yahweh. Tala ekuke moko ya Yahweh. To joie qui Jean 10. On avait pris Jean chapitre 10. Jésus a le dit, je suis la porte. Jésus qui dit ngai de kuke. Que Dieu bénisse. Amen. Yende porte de l'Éternel. Yende kuke na Yahweh. C'est par elle qu'entre les justes. Et ça yende kuke wana ne bayenge bene bakotaka. Et kuke wana ezande lilakisi. Et cette porte là c'est ça l'enseignement. Moto yonzamba longoli et tumbu likolo na ye. Celui sur qui le Seigneur a enlevé le châtiment. Donc a komi juste. Donc a koi moyenge bene. A kokota kunande na kati. Il entrera par cette porte de l'Éternel. Alobi je te loue parce que tu m'as exaucé. Na soku misayo Yahweh poete yo boya no linga. Parce que tu m'as sauvé. Verset 21. Le verset 20. Nous le voyons aussi chez Siméon. Tangu Joseph na Marie ba mataki na Jésus. Lorsque Joseph et Marie étaient montés avec l'enfant Jésus. Là, ezalaki après 40 jours. Là, c'était après 40 jours. L'écriture est à Luc. L'écriture de Luc. Luc 2. Première étape. Première étape. Ezalaka 8e jour. C'est 8e jour. L'enfant fils est conçu. Moi na kata mingenga. Et ma pissie komboya Jésus. Et on lui a donné le nom de Jésus. Après ça. Na simawana. Toujours dans Luc 2. Toujours dans Luc 2. Ezana jour oyo. Joseph na Marie ba mati na mwana na Jésus. Il y a le jour où les parents de Jésus sont montés avec leur enfant. Pour accomplir la loi de Moïse. Bon na koko ki samombe kona Mose. Oezana Lévitique 12. Qui se trouve dans Lévitique chapitre 12. Dans Lévitique 12, Sobotangi. Si tu lis dans Lévitique 12, Bazo ça la mention. Là, on fait mention. Lévitique chapitre 12. Lévitique chapitre 12. Parce que Batoum Souba compris na kate. Tant mon nini Joseph na Marie, ma kenaki na Jésus, na temple, tant mon Siméon yagi. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand est-ce que Joseph et Marie s'étaient rendus avec Jésus dans le temple au jour de Siméon. Et bam, souvent le baptême, c'est le 8e jour. D'autres disent que c'était le 8e jour. Et puis, il invente aussi un enseignement là-dessus. Or, Azan est réel. Or, il est dans l'erreur. Lévitique 12 est le biboy. Lévitique 12 dit. L'Éternel parla à Moïse et dit Yahweh a l'obé la qui n'a pas sépé à l'eau. Nous lisons toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Parle aux enfants d'Israël et dit l'obé la bana Israël de Pétadissa. Lorsqu'une femme deviendra enceinte, tant au moins si à Kokoma na Mokumba, et qu'elle enfantera un mal, veillez à Kokota moi na Mouba, elle sera impure pendant 7 jours. À cause à la pito Mikolo Sambo. Tu es bibi que Marie a boté qui moi na Mouba. Nous savons que Marie avait enfanté un fils. Jésus. Qui est Jésus? Ah, toujours continuer. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis.
Maintenant, après circoncision, on a maintenant, après jour, cette circoncision, on commence avec verset 4. Le verset 4. Elle restera encore 33 jours à côté de la Bible, tout comme ça, tout comme ça, à se purifier de son sang. N'a commis pas tout la cana maquille. Elle ne touchera aucune chose sainte. À côté de quel autre mon côté saint. Et elle n'ira point au sanctuaire. À côté d'un côté n'a tempéré. Jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Qui n'entend qui ne était battant pour y couper toute la manière. Donc après jour la circoncision. Donc après les jours de la circoncision. Moi si on a bâti moi na ya yambo a koko kene na temple était. Le la femme qui enfantait un fils ne peut pas se rendre dans le temple. Une fois c'est là bas qui sont 33 jours. Elle doit ajouter 33 jours. C'est ce que l'Écriture déclare. Et ça dit dès le commencement. Abenyamou jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Qui ne t'a pas été micolo y a couper toute la manière. Si elle enfante une fille, ce qui a bâti moi moi, elle sera impure pendant 2 semaines à cause de la bido ma poso bibale comme au temps de son disposition menstruelle. Au cours de temps pour y apporter la maquilla, elle restera 66 jours à côté de la migolo tout court à se purifier n'a commis pétola et son sang n'a maquilla naïe. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, d'accord, Nicolas copie tout la manaye kokoka. Cela veut dire 33 jours ou en aujourd'hui le 7 y a liboso. Donc vous prenez d'abord 7 premiers jours, 8e, le 8e, il y a la circoncision. 33 jours, les maximes. Et 33 jours s'ajoutent. Wana, jour à la jour purification de Koki. Donc ce jour de la de purification s'accomplit. Donc ils ont comme 41e jour. Donc comme le 41e jour. Donc depuis moi, Nabotami. Depuis la naissance de l'enfant. Maintenant, pour ça, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque le jour de sa purification sera accompli, d'accord, Mikolo, il y a coupé tout la manée. Pour un fils. Pour la moine, ou pour une fille. Donc pour la moine, moi aussi. Elle la portera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Un agneau d'un an pour l'Holocauste. A comme me la ganganzambe, liboso ya ema ya bokuta ni mwana pate moko pona bekabatumba na mobimba. Un jeune pigeon ou une tourterelle pour les sacrifices d'expiation. Tope e benga ya moke, tope benga ya zamba pona. Oui. Mbeka ya kubolongoli masumu. Yango tondima ke ndaku ya ya ba Jésus. D'accord, Joseph. C'est pourquoi nous croyons que la maison de Joseph était vraiment la pauvreté. Était vraiment une maison de pauvres. Parce que verset 8 est le bien. Parce que le verset 8 dit, c'est si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau. Ce qui moi si Azali n'a ma coquité, Yako, soit moi n'a pas de, elle prendra des tourterelles. A cause de Bibenga et Bibenga Bibale. Ou des jeunes pigeons. Topé Bibenga Bibale. Mais ce qui Azana ma coquité, Yako, somba même. Si elle n'a pas les moyens de se procurer un agneau, à vos attaques à pigeon. Elle prendra même des tourterelles. Mais un jour où on en a liquidé. Maintenant, ce jour-là, dans Luc 2. Si nous lisons cela, l'écriture et le biboye. L'écriture nous dit ceci. Luc 2. Luc chapitre 2. À partir du verset 22. À partir du verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand les jours de leur purification furent accomplis. Le jour de purification, c'est 33 jours ajoutés sur 8 premiers jours. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. C'est ce que nous venons de lire. Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem. Joseph ou Marie à la même qui est à Jérusalem. Pour les présenter au Seigneur. Pour la côté de ses pas. Suivant. Ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mal premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice des tourterelles. Déjà verset 8 dans la loi et le baki. Déjà le verset 8 dans la loi avec Soki Azangi Makokia Kosombagno. Si la femme n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle peut même se procurer deux tourterelles. Et va l'amener. L'écriture ne te dit pas que Joseph était pauvre. Cette écriture montre vraiment que Joseph était pauvre. Osora Namala. Suivez attentivement. Otani Lévitique 12, verset 8, bien. Vous lisez bien Lévitique 12, le verset 8. Donc c'est que. C'est-à-dire. Nakati Nayango Tam Simeon Sibi. Lorsque Simeon a touché l'enfant,
Alobi Seigneur, tika ton serviteur a kende kope ma bona moni le sali. Il a dit laisse ton serviteur s'en aller en paix parce qu'il a vu le salut. Yamone psaume 118 alobi que tant ou porte mon ami. C'est pourquoi psaume 118 a dit lorsque la porte s'est trouvée. Ba bengi kiamoni le sali. On a dit qu'il a vu le salut. Mais ce salut. Mais ce salut bien. L'écriture le dit. L'écriture dit. Et ça aussi la prière. Et ça dit Pélibanga. Verset 22. Au verset 22. Il y a psaume 118. La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Libanga oyobato qui va voir kaki est devenu la principale de l'âme. Et comme il y conti à Dako, Yangomoko, porte. Donc, il y a éternel. Donc, c'est la même pierre, c'est la porte. Yangomoko, les salut. Et la même pierre, c'est le salut. Yangomoko, la pierre. Et c'est la pierre en même temps. Maintenant, tu es dans verset 24. Au verset 24. C'est ici la journée que l'éternel a faite. Et Zaliga, Mokolo, Yamoui, Wekolo, Yangomoko, journée. Et cette même pierre, c'est aussi la journée. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, porte-toi. Cette porte, c'est tout un jour. Et ça dit mon colombo. Mais c'est un jour appelé sabbat. Mais c'est tout un jour appelé le sabbat. C'est un jour où il y a repos. C'est le jour qui est comme le repos du peuple. Et le repos, il y a peuple, il y a qui comparé à ma belle. Et le repos du peuple était comparé à un pays, une terre. Oh, Zamba, c'est qui Abraham. Que le Seigneur avait donné à Abraham. Mais ma belle, on a prophétisé dans psaume 118, Jésus-Christ. Et ce pays-là, c'est la personne sur qui on a prophétisé dans psaume 118. Israël a rejeté. Mais Israël l'avait rejeté. Mais nous, nous l'avons reçu, on a cru en lui. C'est pourquoi on avait montré cela dans Apocalypse 12. Et ça, la ligne, c'est la ligne sur laquelle la femme avait posé ses pieds. Parce que parce qu'on ne pose les pieds que sur ta propre parcelle, ta propriété. Josué 1, verset 3. C'est pourquoi nous avions pris Josué 1, le verset 3. Et si kao tie ma tambe na yo, espé sa melio. Là où tu as posé la plante de ton pied, cela t'est donné. Et ton monaki ke, l'okola ma belé wa neza jour. C'est pourquoi nous avions vu que comme cette terre-là ou ce pays-là, c'est tout un jour. Totala ki na proverbe 27. On avait vu dans proverbe 27. Le jour peut enfanter. Mon koleko ki pe kopo ta l'okola moi si. Proverbe 27. Proverbe chapitre 27, verset 1er. Le verset 1er. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ne te vante pas du lendemain. Komi komisate na lobi. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Boye te yo yebite nini yango mokolo ekoki kopote na yo. Awa babengi mokolo neti mwasi. Ici, on a appelé le jour comme une femme. Donc un jour enfante. La Bible. Dans la Bible. Na songe à Joseph. Dans le songe de Joseph. Femme azalaki comparée na lune. La femme était comparée à la lune. Mobali tata yanda azalaki comparée na soleil. Et le mari, le chef de la maison, était comparé au soleil. Et tout monde jour esa comme femme qui enfante. Et le jour, nous l'avons vu dans Proverbe comme une femme qui enfante. Awa tous les jours comme terre. Ici, nous avions pris les jours comme une terre. Et ça comparable à la lune. Qui est comparable aussi à la lune. Et si quand moi, si on a ya Apocalypse 12, a tié ma colonne. Là où la femme d'Apocalypse 12 a posé ses pieds. Tolobela qui aussi. On avait aussi parlé. Na ilamba oyalati. Du vêtement qu'il s'est enveloppé, qu'elle s'est enveloppée. Dans Romains 13, verset 14. On avait vu dans Romains chapitre 13, le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est là-bas. C'est Jésus-Christ qui est le vêtement. Et n'ayez pas soin de chair, de la chair. Pour en satisfaire les convoitises. La chair n'est pas satisfaite des convoitises. Si tu ne sais pas gérer ta chair, tu vas tuer ton propre esprit. Il faut y gérer chair. Il faut savoir gérer ta chair ou ton corps.
Tu peux avoir ton programme d'acheter quelque chose que tu crois être de valeur. Si par exemple cette chose coûte $600 que tu dois porter, au même moment que tu as ce programme, une maman vient avec une doléance qu'elle a des difficultés dans sa maison. Bana bazo fouté la bango classe D, azana passe. Qu'il n'a pas de moyens de payer les études pour ses enfants. Sokozana $200 défisangata. Si tu as $200, prête-le moi-même. Na tinda bana na classe. Que j'envoie mes enfants à l'école. Mais na conscience to yebi ke ozana $600. Dans ta conscience, tu sais que tu as $600 de vêtements. Mais a pour son babilamba. Mais pour acheter des vêtements. Mais on repousse maman. Mais tu repousses la maman. Et donc on a eu un consomme matisse et commis péché. Donc chaque jour nous attendons. Chaque jour que tu portes ces vêtements-là, tu es dans le péché. Les péchés que tu as portés. Et tu peux même manquer le ciel à cause de ça. Parce que Oyazoye ma consumande bon a été. Parce que celui qui ne sait pas assister où était son frère, c'est égoïste. Azali Moïmi. C'est tout un esprit. Et ça, mon limo, mon bimba. Un esprit, on a eu un robot. Maintenant, avec cet esprit-là, tu entreras au ciel. Il faut que vous partagez parce que Jésus a partagé qui grâce à un abisso. Et c'est que nous avons la peau, Christ a la peau, la peau, c'est très important. Et ça, c'est mon tuya. Tu reçois un frère dans ta maison. Kabola naï. Partage avec lui. Et ça, fille. C'est la vie de Dieu. Partage avec ton frère. Et c'est toi-même qui sais ce que tu as. Partage avec ton frère ce que tu as. Si tu sais que ton frère paye pour des vêtements, partage des vêtements avec ton frère. Sœur Nayo, ta sœur, si le Seigneur t'ouvre les yeux, c'est. Le Seigneur sait pourquoi il t'a ouvert les yeux devant ta soeur. Donc cette famille-là souffre cruellement. Il faut te poser la question. Pourquoi cette histoire-là est parvenue à mes oreilles? Il faut que je puisse me poser cette question. Il ne faut pas prendre quelque chose à la légère. Pourquoi cette histoire est venue jusqu'à mes oreilles? C'est que le Seigneur a quelque chose que je dois faire dans cette famille. C'est que je verrai que ce n'est pas considérable. Mais c'est quelque chose de considérable pour l'autre. Il faut faire. C'est ça l'amour de la famille. Nous une femme, nous a scellé par le sang de Christ. Nous sommes une femme scellée par le sang de Christ. Vous avez un problème, yamabe nande konayo bungisa naye. Tu as des différends ou des litiges avec ton frère, répare. Lobanaye obungisa. Il faut parler avec ton frère et réparer vos problèmes. Gardez l'amour na motema na yo mingi. Garde beaucoup l'amour dans ton cœur. Et yeba kosalisa na enoko tonga moninga. Et sache aider et non faire le colportage sur le nom de ton frère. Offendre quelque part ou qui ne pensait à un frère les oeufs là yo. Prie pour lui. Tu es quelque part et tu sens que la pensée d'un frère te manque, il faut prier en sa faveur. Aux autres tambour. Tu marches en cours de route. Subitement, aux autres frère, tu vois par exemple le nom d'un frère te venir en tête. Qui envoie ce. Le Seigneur t'envoie de prier. Les accolos à la directement. Prie directement. Et au moment ton esprit sera calme. Et tu verras que ton esprit sera calme. Parce que Dieu utilisera la bise. Pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Ne sois pas dans une assemblée qui parle du mal de ton frère. Et cela étouffe le vie. Et l'ennemi a utilisé le lobelimingi. Et l'ennemi utilise beaucoup nos paroles. La langue. L'enlèvement.
Bible le dit, si tu veux voir les jours heureux, ce que l'on a mon ami colo est seco, préserve ta langue. Battez-la l'olé mon ayo, nabiloba loba. Au moment d'un jour bien. Donc tu veux voir des jours heureux. Bibé moka. Donc c'est pas préserve ta langue. Tu veux vivre longtemps. Au lieu de pika en voulait belle. Ta langue c'est vraiment. Battez-la mon ayo. Fanda te pona kocho la bat. Ne sois pas là pour te moquer des gens. Même si comme moi nous t'as mabé. Même si tu vois quelqu'un dans le mal. Va réprocher. Qui ne peut pas mêler aux hommes c'est là. Ne va pas raconter les mauvaises choses que ton frère a commises. Ne pense pas que le Seigneur va t'acclamer. Lorsque tu racontes des mauvaises choses sur ton frère, le Seigneur ne se réjouira pas de toi. Parce que quand tu racontes là, le Seigneur regarde aussi ton passé. Comment est-ce que tu étais? Si tu connais quelque chose, reproche-toi pour lui. C'est ça la vie des saints. C'est très important. Et parce que la chair est dominée la vie à parce que la chair domine beaucoup la vie des gens. Ça, ce sont des actes de la chair qui envoient aux gens dans songi songi. Orgueil. L'olendo. Pour se mesurer. Comment n'en est pamba? De voir d'autres frères comme ils sont. Ce sont les œuvres de la chair. Les appétits qui sont à salaire n'ango c'est la mort. Les foutis n'ango liwa. Mais Bible le dit, sont qu'on a crié ça. Mais la Bible dit, si tu t'es rêvé, tu sais. Pour satisfaire certes. Pour qu'on s'épelle ça va pour ça tout le temps. Il y a un rêvé pour dire Seigneur Jésus Christ. On l'a d'accoloyé sous le col et la barre. Jésus m'en a donné. C'est qui c'est Jésus? C'est lui le Seigneur de Seigneur. Dans Matthieu 17, dans Matthieu chapitre 17, à se présenter sur la montagne comme le soleil. Il se présenta sur la montagne comme le soleil. Verset 2e. Le verset 2. Tobani dans verset 1er et 2e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est ce soleil qui est notre vêtement. Et ce soleil qui est le vêtement de l'église. L'église l'a dit Jésus. L'église s'est revêtue de Jésus Christ. Donc la justice. Oyenge bene. Condamnation est guérie. La condamnation est partie. Et Oyenge bene l'a dit. Maintenant la justice nous a porté. Il a donné l'habit à cette femme. Et c'est ça le vêtement de cette femme d'Apocalypse. Et Dieu bénisse. Amen. Et elle a la couronne à 12 étoiles. Et cette femme a une couronne de 12 étoiles. On peut savoir Proverbe 1, verset 8 à 9. On avait donné Proverbe 1, le verset 8 à 9. Couronne est allée à un enseignement. La couronne représente l'enseignement. Dans Proverbe 1, verset 8 à 9. Dans Proverbe chapitre 1, le verset 8 à 9. On peut savoir Job 31. Nous avions aussi donné Job chapitre 31. Verset 36e. Le verset 36. Les écrits. La parole est à la carte, une couronne. Les communes, les nommés à la carte, mon tollé. Yango, cette femme. C'est pourquoi cette femme. Azana, 12 étoiles, signe à enseignement, il y a 12 apôtres. A une couronne de 12 étoiles, comme le signe de l'enseignement des 12 apôtres. Et l'onko, oyoyo, balobirana. La chose qu'on a dit là. La femme était en travail et elle criait. Moi, si Azala qui n'a pas si à Kobota. Pas si on a Kobota, ces douleurs-là d'affrontement, il y a encore des difficultés aux anges sur la terre. Et c'est ça des tribulations, des persécutions, des difficultés que nous avons sur la terre. Ce qui te l'honneur, na kimia batuba bimisi bitumba. Donc si nous parlons de paix, les gens nous font la guerre. Ce qui te présente la justice, si nous présentons la justice de Dieu, Otatonio yondo kobongisambo. Et on te dit, c'est toi qui vas réparer ou bien arranger le Congo. Amen. À cause de la parole.
C'est pourquoi nous souffrons. Quand on veut présenter vérité, lorsque tu présentes la vérité, pour d'autres personnes, ils vont te haïr. Et ça, douleur. Et ça, c'est ça les coups. Il y a des gens qui ont passé à propos de la femme crier. Moi, c'est un ganga. La droitement et justement. On te dit de marcher droitement et fidèlement. Mais il y a la pression de l'ennemi. Pour chercher à te faire entrer dans le mal. Pour se protéger la parole. Se protéger dans la parole. Exact. Exact. Il n'y a pas si mais heureusement dans l'écriture. Et c'est mes amis dans ma communauté. Dragon, Simba, moi, si ta coca, comme la voici, moi, en terre. Les dragons n'étaient pas parvenus à ravir le fils à cette femme. Oui, bien aimé. Il y a solo Balinda. Parce que dans les pays que vous entrerez, vous êtes dans mon combino, beaucoup, Kotaka. Il n'y aura pas d'avortement. Moi, si à cause de ma zémi, à cause à la terre. Or, le fils, c'est les amis. Moi, n'en ai le pico. La foi que Nzamba bénit l'Église, la foi que le Seigneur a transmise à l'Église, et que l'on voit kate, ne sera jamais ôtée en elle. Quel que soit ma combat, à Itumbani, c'est moi qui pourrais être séduit. Mais la parole est comme mais la parole ne sera jamais perdue. Et le Seigneur aura toujours ses enfants. La parole est comme bâtard. La parole ne sera jamais profanée. Vous tournez à vous se corrompre. Et c'est la personne qui pourrait se corrompre. Mais la parole reste. Mais la parole reste debout. Et tant à vos conscience à se répandre dans la position de la parole. Et lorsqu'il aura la conscience, il retournera dans la position de la parole. Les toits les avons conduits dans ma marche. Mais tant que tu penses dans ma mot propre. Mais lorsqu'ils ont mis leurs propres pensées, bango moko batali Jérusalem. Et même ont regardé la beauté de Jérusalem. Batali beauté de Jérusalem. La beauté de Jérusalem. Bah, non, 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 non. Or les toiles à Zagini Corona. Or les toiles étaient au-dessus de ces gens. Ils conduisaient les mages. Mais leurs yeux étaient sur la beauté de Jérusalem. Bah, non, 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 non. Ils ont dit, non, non. Les rois doivent être ici. Les rois doivent être à Jérusalem. Bakota Jérusalem. Ils sont entrés dans Jérusalem. Et toi, les côtes, ça va, moi, ce n'est pas les toiles qui leur avaient fait entrer Jérusalem. Lorsqu'ils sont allés interroger où était le roi Hérode. Hérode a béni par sacrificateur. Hérode a fait appel au sacrificateur. Et regardez d'abord dans les prophètes s'il était écrit qu'un roi sera né. Bon Hérode a monique et adversaire d'ailleurs. Pour Hérode, ce roi-là qui devrait n'être que son adversaire. Parce que royauté en réalité. Parce que la royauté. Donc c'est si tu es roi, c'est jusqu'à ta mort. Alors un membre de ta famille va te suivre. Mais Hérode a senti qu'il est roi. Mais on lui a dit qu'un roi est né. Alors c'est un danger. Alors c'est un danger. Il faut que je fasse un programme de tuer tous les enfants. Parce que les bébés touchaient cet enfant-là par hasard et qu'il meurt. Non, mon bien-aimé. Non. Jésus-Christ a salé qui n'a victoire sur la mort. Jésus-Christ a salé qui n'est l'homme d'Alicola Liwa. Le père touché a été. Mon père n'est si pas été. Le lingue moko en Égypte. De la même manière en Égypte. Dans mon bazo pour ma banne en Ibal. Lorsqu'on tuait les enfants mal. Le père touché les enfants mal. Le père touché les enfants mal. Mais il y avait un enfant mal à votre mais il y avait un enfant mal qui était aussi né à cet homme. A salé qui n'a victoire sur les pays à maison à Farah. A salé qui n'est l'homme d'Alicola mon père n'a pas Farah. Lorsque la fille de la de Pharaon a regardé ses fils, oyo grande sœur na ebotiaye na panier à jambes, que la sa grande sœur avait mis dans une caisse de jambes, abi oyo face à la moine abattue. Ah, celui-ci c'est l'un enfant des Hébreux. Élément. Un peu à l'île qui moine. L'épée l'est quittée. Donc l'épée n'a pas touché ça. Donc Moïse a déchiré l'acte qui condamnait les Juifs. Donc Moïse a déchiré l'acte qui condamnait les Hébreux. Donc l'acte qui condamnait les Hébreux dans l'Égypte. Donc l'acte qui condamnait les enfants d'Israël. L'enfant qui était dans la caisse des gens l'avait déchiré. Au lieu de tuer cet enfant parce que
qu'il est mal, on ne l'a pas touché. Oh, c'est en lui qu'il y avait la rédemption. C'est par son chemin que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, Hérode tuait les petits enfants. Mais le Seigneur avertira Joseph dans les songes. Avant que cette tuerie n'arrive, prends l'enfant avec sa mère fuyant en Égypte. Parce que programme au Moïse. Parce qu'il y a un programme de tuerie dans le pays. A protégé qui les fils. Hérode avait. Le Seigneur avait protégé le fils. Dieu est grand. Zambé a sali mon ennemi. Ma mage t'a bâti d'étoile. Lorsque les mages ont abandonné l'étoile, Balouki moine et si qu'à parents, c'est ça. Ils ont cherché l'enfant là où il y avait une belle apparence. Ils ont regardé dans le rouleau. L'enfant sera né dans Bethléem. Babimi Jérusalem. Lorsqu'ils sont sortis de Jérusalem, l'étoile apparaît. Alors l'étoile a réapparu. C'est ça l'écriture. Mais on est commis en Zambé, il faut qu'on t'aille. Le lien est mon avis. De la même manière dans ta vie. La volonté de Dieu. Mon canon est en Zambé. Et sa volonté n'a pas la tête. Ce n'est pas ta volonté à moi et la tienne. Ta pensée, pour qui vous allez là? Ta pensée peut être là. N'a pas bon parce qu'il n'a qu'en Amérique. Je veux, j'aurai une bonne vie en allant en Amérique. Mais Zambé programme n'est à bon qui sa vie n'a pas bon. Mais Dieu, dans son programme, il te fera un grand homme à mon père. Mais ta botanique téléphone, mais États-Unis. Mais lorsque tu regardes dans ton téléphone les États-Unis, New York. À New York, Californie. Californie. Ah, je dois y arriver. Voilà, mes yeux. Ce sont tes yeux, bien. Mais le Seigneur qui voit un grand homme riche à mon père. Et le Seigneur te donnera beaucoup de richesses plus que ceux qui sont aux États-Unis. Wow. Et le Seigneur te donnera aussi la paix plus que celui qui est aux États-Unis. Je te dis vrai. Volonté en Zambé, c'est la volonté en Abyssos. La volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Yazambe, ça n'a jamais fait le camo dans des prières. Et la volonté de Dieu, il faut la chercher dans des prières, bien-aimés. Dans des prières. Et le Seigneur t'ouvrira des choses que tu ne vois pas encore. Il avait dit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi. Mets-les la gaille. Je te montrerai. Je te montrerai des grandes choses. Dieu lui-même l'a appelé grande chose. Maintenant à ton niveau, frère. Si le Seigneur t'ouvre ce que lui l'a caché, il a dit que ce sont des grandes choses. C'est pour qu'il a dit reste à ses pieds. Il va te faire beaucoup de bien. Que Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. C'est pourquoi vous allez remarquer ici que bien aimé. Le dragon a coca koboto la moana te et paia moisia se. Le dragon n'était pas parvenu à ravir le fils à la femme enceinte. Pourquoi? Pourquoi bien? Parce que la loi est l'obaki. Parce que la loi avait dit. Dans les pays ceux qui bokoti moana a kentakate. Dans les pays lorsque vous entrerez il n'y aura pas de femmes qui avorteront. Non. Or cette femme est dans le pays. Or cette femme-là est dans le pays de la promesse. L'ennemi a qu'on retiré. Et l'ennemi ne peut jamais le ravir. C'est pourquoi on était allé faire voir que le fils va se manifester. Lorsque le fils s'est manifesté, la femme arrivait à la perfection. C'était seulement la femme arrivée à la perfection. Donc l'église a commis à beaucoup. Donc l'église qui est parvenue à la perfection. N'est besoin qui m'a témoignage. C'est pourquoi nous avions pris des témoignages. Dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse chapitre 12. L'écriture et le Bible. L'écriture nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus Christ. Apocalypse 12, verset 5. Apocalypse 12, verset 5.
persévérer jusqu'à la fin. Ton enlèvement pour lequel tu persévères jusqu'à la fin. C'est dont on nous parle au verset 5 d'Apocalypse 12. Et l'enfant a un fils. Moi, si on a monté qui moi n'a mon bal. Qui doit battre toutes les nations avec une verge de fer. Oui, c'est que lui a cambadi colonie sur ma belle na ligne de bende. Maintenant, pour identifier cet enfant, c'est par rapport à l'œuvre qu'il va faire lorsqu'il l'est enlevé au ciel. Et c'est ce que nous voyons ici dans Apocalypse 2, le verset 26 à 27. Ici, on parle de l'église du Seigneur. Dans verset 26 na 27. Au verset 26 et 27. À celui qui vaincra. Na oya kobima molongo. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Oya kobaki la kino suka misala na ngai. Je donnerai autorité sur les nations. Na kopesa kaye pokoti likolo dikolo. Il faut qu'on tourne quand. Il faut poser la question quand est-ce que cela s'accomplira. Autorité sur les nations et kokokisama na millénium. L'autorité sur les nations s'accomplira au règne de mille ans. Donc donné pour l'ami. Donc nous sommes d'abord enlevés. Alors nous retournerons sur la terre pour régner. Voilà millénium. Là ce sera au règne de mille ans. Nous allons en parler. Il faut dominer ma nation. Parce que l'Église a la promesse de dominer les nations. Donc ce que l'Église a saisi marche. Donc si l'Église finit sa marche, récompense la récompense que le Seigneur lui donne aussi parmi la récompense. Parmi les récompenses, on domine ma nation maintenant. Que l'Église ait l'autorité sur les nations. Ils allaient l'autel. Ce n'est pas aujourd'hui. La nation, les lots, ils sont dominés par les malins. Aujourd'hui, les nations sont dominées par le diable Satan. C'est 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Là, ton total est impossible. Là, nous allons le montrer plus tard. Mais alors, total ici que ici nous à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Bien probable la qui nous souka misala na. Je donnerai autorité sur elle. Na kopesa kaye po konti likola di kolo ma bene. Voilà verset 26e Apocalypse 2. Maintenant na komi na verset 27. Et verset 27. Il est pétra avec une verge de fer. Yé akokambaka ikolo na likenda ebende. Comme on brise les vases d'argile. Lokola bakoka kaba meki ya mabende. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Loleke moko ngai na zwili ya moko kondiuta na tata. Donc, pour continuer verset 5e. Nous continuons le verset 5. Nini totali. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Totali que cet enfant aza vainqueur. On a remarqué que cet enfant c'est un vainqueur. Parce que promesse est conquise awa. Parce que la promesse qui s'est accomplie. Qui doit battre toutes les nations avec une verge de fer. Oui, c'est qu'elle a kambabi kolona likenda ebende. Tant que conquise ma kolona e. Lorsque cela s'accomplira sur cet enfant. Tomoni amon apocalypse 2, verset 26, 27. On l'a vu dans Apocalypse 2, le verset 26 à 27. Ezali récompense zambazo pe sa église. C'est la récompense que le Seigneur donne à son église qui a vécu. Yamon entend, c'est que moi, nawana, eza église. C'est pourquoi j'affirme que ce fils-là, c'est l'église. Tomoni attend que moi, na mobile. Ne faut pas seulement un enfant fils. L'église n'a souka, il faut tout comme l'homme Jésus. L'église à la fin de sa course doit devenir l'homme Jésus-Christ. C'est sa rôle, il y a ministère de la parole. Il y a mon émosala, oh yolo, tout mesosala. Et comme jusqu'à ce que tout comme la statique parfaite de Christ. Qui nous t'a envoyé tout comme un alolégo et qu'on capte, il y a Jésus. Tout comme un fils. Donc nous devenons le fils de Dieu. Maintenant, on continue. Et son homme, dans verset 5e, il y a Apocalypse 12. Et son enfant fit enlever. Mais moi, na moi, si on a monté qui a netto la maquille. Vers Dieu. Et accueilli par Dieu. Et vers son trône. Et accueilli na kwende na ye. Fils wana. Ce fils-là. Accueilli kofana na trône na ye. C'est enlevé vers le trône de Dieu. Total la mutaza la promesse à trône. On regarde maintenant celui qui a la promesse de s'asseoir sur le trône. Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Toujours basolo de l'église. On nous parle toujours de la récompense de l'église. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. 3, verset 21. Le verset 21, chapitre 3. Et Apocalypse. À celui qui vaincra, na oya kolonga. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Na kufani saka yena ngaye likolo ya kwende. Comme moi je vainqui, lolenge mokonga na lomba. Et je me suis assis avec mon père sur mon trône. Pina kufani na tata na ngaye na kwende na ye.
Christ s'est affandi. Christ s'est déjà assis sur le trône. Mais c'est lui qui vaincra. Il s'assiera aussi sur mon trône. Et nous avons vu ses fils être enlevés pour s'asseoir sur le trône. Par rapport à Apocalypse 3, verset 21. Par rapport à Apocalypse 3, le verset 21. Moi, nous avons vainqueur. Ses fils étaient vainqueurs, mon longi. Alors, quand on est dans le verset 11. Alors, lorsque nous le voyons au verset 11. Wana mena ba komisi bango zike. Là maintenant on a pris un seul fils, on l'a pluralisé, on l'a fait plusieurs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bako ebele balon qui est Nicolas Makila wana pate. Et à cause de la parole de leur témoignage. Pe Nicolo ya linobalita toli na bango. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Bako balinga kamo mo ina bango te. Jusqu'à craindre la mort. Kino na kobanga tali wate. Un saint qui va vaincre à la fin, c'est celui qui ne va pas aimer sa vie à son vie à Jésus. Il aimera la vie de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé. Sur la terre, il ne regarde que son programme. Que tu sois là un étudiant. Et puis on t'a même collé. Et nous tous, nous sommes dans la joie. Mais si le Seigneur regarde dans son programme, et tes jours se sont accomplis pour qu'il puisse te retirer de la terre. Non, il vient d'être collé quand même. Non, il va te dire, fils de l'homme, retourne dans la poussière. Dieu est comme ça. Il peut voir une maman en train d'accoucher. La maman accouche lorsque le bébé sort. Mais dans le programme, il faut que les gens coupent. Cette maman-là doit aller se reposer. Aboni. Et puis il tue la maman. Abotia, si moi n'a dit qu'à la vie. La maman accouche, elle veut aussi la vie. Donc tu regrettes ça. Il fallait qu'elle voie son enfant. C'était le programme de Dieu, ces jours se sont accomplis. Il faut qu'on y va quand même. Il faut connaître Dieu. Dieu ne sera pas là. Attends-moi jusqu'à ce que je veux me marier. Ce qui programme nous a avant au côté d'Aliban. Si ton problème c'est qu'avant que tu n'entres dans le mariage, il sait que le royaume de Dieu est plus que le mariage. Il va te retirer et puis tu ne te maries pas. C'est lui-même Dieu qui et d'autres même le Seigneur s'il avait préparé qu'il va se marier, il aura des enfants et qu'il voudrait même jusqu'à sa quatrième génération, c'est toujours Dieu. D'autres disciples. Ce n'est pas qu'ils avaient mal travaillé dans l'œuvre. Mais lorsque l'œuvre de Dieu a commencé, on a pris Jacques. On l'a décapité. Parents, tata ban, moi si la banne, batikali. La femme est restée veuve, les enfants perdus. Dieu n'a pas regardé même si son serviteur. Batikala quand même, moi c'est pour les vêtements. L'enfant va beaucoup. Non. Acte 12. Acte 12. Les bandes des gars. Au début de l'œuvre de Dieu. On a décapité l'apôtre. Étienne a défendu Jésus. Étienne défendait vraiment Jésus. Dans Acte 7. Il témoignait le nom du Seigneur avec puissance. Mais le Seigneur a refusé qu'il puisse comprendre Étienne. Parce que celui qui avait endurci le cœur de Pharaon, c'était Dieu. Moïse avait le souci que Pharaon comprenne et croie à sa parole. Le Seigneur avait dit à Moïse, tu lui parleras, mais je vais endurcir son cœur afin qu'il ne croie. Moïse va et vient nous assassiner par tous les va et vient que Moïse fit vers Pharaon. N'a pas fléau ça comme avec des fléaux. Pharaon mon a su une position bien le big en tout cas. Pharaon n'a pas une bonne position. N'a pas ça la santé. Je ne ferai plus. Ça me l'a pas n'a fléau non. Prie pour moi fait que c'est a vu bon souci. Vraiment un bon souci. Moïse va le mis ça va. Mais Moïse dit ça va. Fléau et l'eau. Que c'est fléau qui. Mais tant Moïse a aucun négat. Quand Moïse tourne le dos. Non. Il pensait qu'il
l'était endurci de lui-même. C'était Dieu qui l'avait endurci. Et ça, la façon. C'est là, c'est. Enseignez-moi au terme. L'enseignement, c'est prêche de l'âge. Mais toi, tu es là au coin. Je ne crois pas ça. C'est le Seigneur qui t'a privé la foi à l'enseignement. Ceux qui sont le Seigneur fera qu'ils puissent croire. Ça passe à Bongo. David a dit dans Psaume 139. David dit dans Psaume 139. Tu sais, lorsque nous nous levons, tu sais, lorsque nous nous asseyons, la parole n'est pas encore dans ma bouche. Et toi, tu la connais entièrement. C'est ce que David dit dans Psaume 139. Chez toi, les ténèbres ne les sont pas. Mais cela va me faire attirer. Je suis un vrai enseignement. Mais je refuse le vrai enseignement. Je dirais que je vais conclure que c'est le Seigneur qui te refuse de ça. Parce que toutes les choses de la terre sont vanité. Même si on te fait cadeau du soleil afin que nous tous nous puissions te payer. Mais c'est pour les propriétaires du soleil. Et il faut me payer des taxes. Le Seigneur va faire passer toutes ces choses. Tout. Même si on te fait cadeau de tourba, ils ont gérer tout. Et c'est toi qui gères tout là-bas. Vanité de vanité, tout est vanité. Et tu n'auras que ça pour avoir des vêtements. Et tu n'auras que ça pour acheter des vêtements. Et pour acheter des maisons. Mais tout ça est petit kalana mabele au kokende. Tout ça restera sur la terre et tu partiras. Et là, comme on est les à la foi. La plus grande chose, c'est la foi que Dieu te donne. Que le Seigneur ne te prive pas la foi. Que le Seigneur fasse que tu croies à la parole. Que Dieu te bénisse. C'est là est très important dans la parole. Amen. Que le Seigneur vous garde. Parce que l'Ibanaz a même continué sur sa terre. Parce qu'en dehors du Seigneur, il n'y a point un autre roi. Tu es bien que toujours continuer toujours matin à la mission dans la semaine. Nous savons que nous continuons toujours notre enseignement dans la semaine. Donc il y a qu'autant la étape nions après cet enfant accueilli. Nous viendrons pour voir toutes les étapes après l'enlèvement de cet enfant. Ils en ont des étapes où ils en ont ciment. Il y a des étapes qui viennent. Ils en ont femme à qui na désert. La femme qui se rend dans le désert. Mais mais elle ne sera pas seule, on l'a pourvu de deux ailes d'aigle. Nous nous sommes convaincus que cet enfant-là, être enlevé, c'est nous, lorsque nous parviendrons à la perfection. Maintenant, cette femme, après l'enlèvement de ses fils-là, ne reste pas. Plus l'église qui est nous. Bon année. Pourquoi? A présenté à Kena désert neti moi si assez. On l'a présenté comme une femme qui se rend dans le désert, une femme terrestre. Parce que dans le verset premier, à moi si à l'icolo. Parce qu'au verset premier, c'est une femme du ciel. Ce qu'on cueille à partir du verset 7, 8, qui était dans le 16. Si tu te rends à partir du verset 7, 8 jusqu'au verset 16. C'est une femme qui se rend sur la terre. Là a commis Israël. Et cette femme-là devient maintenant Israël. Parce qu'on l'a pourvu de deux ailes. Ma papou mi balé à soleil. Les deux ailes du soleil. Tout mon aéro dans Matthieu 17. Nous l'avons vu dans Matthieu 17. Et Zaka Moïse na Élie. Ces ailes représentent Moïse et Élie. Et dans la réalité, dans le livre d'Apocalypse 11. Et dans la réalité d'Apocalypse 11. Ils ont été témoins au Zambé à côté de l'Israël. Ce sont les deux témoins ou les deux uns que le Seigneur enverra à Israël après que nous soyons arrivés. Ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Mais lorsque le Seigneur pourvoira les ailes à la femme, un, balobi moi si on a zoken.
de poids à la nourrir. On dit, que cette femme-là se rend dans le désert pour être nourrie. Et les mots de Jésus dans ce qui a été. Les signes, c'est déjà dans ce qui a été. Israël a zaki une femme. Israël était une femme. À zone de Égypte. Qui sort de l'Égypte. Mais pour y aller dans le désert. Mais pour venir dans le désert. Mais tant qu'à zone dans le désert. Mais quand elle vient dans le désert. C'est pour manger la manne. Aller comme la maille. Pour boire de l'eau du rocher. Maintenant, les zones de maille où t'as Égypte pour y aller désert. Mais qui l'amène de l'Égypte vers le désert? Otali Exode 19. Tu lis Exode 19. Dans verset 4. Le Seigneur avait dit qu'il avait utilisé le de cette époque pour amener la femme. Moïse na Aaron. Et en Égypte, là, les deux aînés, c'était Moïse et son frère Aaron. Et même moi, si, parce que Esaïe 54, verset 5. Parce que Esaïe 54, le verset 5. Et Bengaka Israël comme moi, si à Yahweh, appelle Israël comme l'épouse du Créateur. Donc, dans Wabimi, lorsque Israël sort, c'est que, c'est-à-dire, à la parole. Elle va manger la parole. Donc, si l'église, donc après l'enlèvement, ce que l'église a commis à Bokoki, si l'église parvient à la perfection, comme l'épouse à Kéliba, le col à moi, si à Liba, la Kéimi, le Seigneur a continué dans ma papa, bonan, moi, si mené comme Israël. Le Seigneur enverra les deux ethnies pour la femme qui devient Israël. Ce côté, l'iponani, toujours, mais à Israël. Pourquoi nous disons que c'est Israël? Pour balobi, que à cause de la nourrir pendant 1260 jours. C'est parce qu'on dit qu'il sera nourri pendant 1260 jours. C'est d'abord à cause de cette écriture. Donc c'est d'abord à cause de cette écriture. Si vous prenez Apocalypse 11, si vous prenez Apocalypse 11, dans verset 3, au verset 3, Bazotalisayo, je donnerai à mes deux témoins. Les pouvoirs de prophétiser pendant 1260 jours. Ma coquille a posapolato et a côté pendant 1260 jours. Maintenant, au Kangisi, Angona, moi, ça sera nourri pendant 1260 jours. Maintenant, tu maries cette écriture à l'écriture d'Apocalypse 12 de la femme qui est nourrie pendant 1260 jours. Aux yeux Apocalypse 12. Tu prends Apocalypse 12. Na, verset 6. Au verset 6. Balobi et la femme s'enfuient dans le désert. Mais moi, si Akimaki n'a dit sauvé. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Pour y aller, il s'amène à Esikawana, Mikolo 1260. Ce qu'on dit en 11, verset 3. Si tu prends Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ma coquille à côté. Revêtu de ça. Au balade. Pendant 1260 jours. Mikolo 1260. Or, ma prophète, ma témoin, ma zoko nourrir. Or, ce sont ces deux prophètes qui nourrissent. Parce que prêcher, c'est nourrir. Au côté, ils appellent les sabbats. Ah, ma tal ici, ma o, ma zoko nourrir. 1260 jours. Ceux qui nourrissent pendant 1260. Maintenant, ma tal ici, nan y'a un oiseau, soit bilo, qu'on poise à la nourrir. Maintenant, on montre qui. Est nourri. Dans verset 6, il y a Apocalypse 12. Au verset 6 d'Apocalypse 12. Et ça, la femme. C'est la femme. 1260 jours. 1260 jours. La Bible. Dans la Bible. Il en est à 360 jours. Voilà pourquoi il y a 360 jours. Et pas dans le calendrier. Dans nos calendriers à nous. Nous avons une année bisextile. Année bisextile. Année civile. Année civile. Monsieur Zaka 365, d'autres 365. Monsieur Zaka 360, d'autres 360. La Bible 366, 366. Monsieur 365, et d'autres 365. Moi, Monsieur Zaka 31 jours, d'autres mois 31 jours. Moi, Monsieur 30, d'autres mois 30 jours. Moi, Monsieur 28, d'autres mois 20. Moi, Monsieur 29. Voilà la calendrier. Là, c'est dans nos calendriers. La Bible, moi, nous, c'est Zaka 30 jours. Dans la Bible, tout le mois en 30 jours. Voilà la Bible. C'est ça la Bible que nous lisons. Bible année si la canne mars. Dans la Bible, la mars, l'année prophète dans notre mois de mars. Voilà Bible. Là, c'est dans la Bible. Parce que calendrier, ça va faire ça en Exode 12. Parce que le calendrier, le Seigneur l'avait donné dans Exode 12. A Ebi si Moïse. Il a dit à Moïse. Ebi sa Israël. Dis à Israël. Moi, oyo pona bino. Sansa, oyo pona bino. Eza premier mois. Eza sansa lipo.
morceaux. Il ne l'avait pas donné aux Égyptiens. Non plus aux Romains. Mais il a donné son calendrier à lui. Qui était différent des calendriers de peuple. Les calendriers qu'il avait donnés, c'était du mois de mars par rapport à nos calendriers. Maintenant, le Seigneur a commencé son année. Suivant attentivement, tombe à 15 mars. Donc le 15 mars de année. Donc l'année commence. Maintenant, on leur avait dit dans Exode 12. Vous prendrez l'agneau le 10e jour. Donc il est tombé dans le calendrier qui sera le 29 mars. Donc cela va tomber comme dans le 29 mars. Maintenant, vous avez 4 jours. Maintenant, tu vas attendre 4 jours. Et comme 14e jour. Pour que cela fasse 14 jours. On a calendrier, c'est que comme déjà avril. Et dans nos calendriers, c'est avril. Il y a un moment où catholique et la première semaine d'avril. C'est pourquoi les catholiques célèbrent la Pâque dans la première semaine du mois d'avril. Pour 14e jour, il y a premier mois, il y a Bible et Kokakande en avril, dans le mois d'Abisso. Parce que le 14e jour du premier mois de la première année de la Bible s'accomplit au mois d'avril de notre calendrier de Grégoire. Amen. Calendrier à Pape Grégoire, il y a mon étoile. Les calendriers de Grégoire que nous avons. Donc, quand on a 1260 jours, lorsque tu regardes 1260, faut voir 360 années. Il faut prendre 360 jours une année. Au maxi 360 ressources. Et puis vous ajoutez encore 360. Ça fait 720 jours. Ça fait 720 jours. Au maxi 360. Vous ajoutez encore 360 jours. Et ça lui 1080 jours. Et ça fait 1080 jours. Maintenant, il faut comment à 1260. Maintenant, il faut arriver à 1260 jours. Mais au tal, il t'a dit 120 jours. Maintenant, tu regardes, il reste 120 jours. 160 plutôt. 160. Là-haut, 180 t'a dit. 180 jours. Dans 1080. Dans 1080. Soko Baxi, 180. Si vous ajoutez 180. Et Gobé, c'est 1260. Et cela te donnera 1260 jours. Or, 180, c'est la moitié à 360. Or, 180, c'est la moitié de 360. Donc, Nakati a 1260 jours. So, dans 1260 jours, Ozan a 3 ans. Donc vous avez 3 ans et demi. Na et demi. Na dambo yamvula. Yamone zali temps ministère à des autres. Et c'est ça qui est le temps où les deux pendant lesquels les deux zali temps oyo la femme a olia. Et c'est là aussi c'est le temps pendant lesquels la femme sera nourrie. Mais si on continue toujours l'écriture. Mais si tu continues toujours dans l'Apocalypse 12. Apocalypse 12. On peut remarquer que serpent, vous allez remarquer encore le serpent. Accueilli quoi attaquer reste la postérité au Ezala qui enlevé dans verset 5. Est allé attaquer les restes de la postérité qui était enlevé dans le au verset 5. Donc cela veut dire postérité ou nettoyement. Cela veut dire la postérité qui était enlevée. Les fils, moi dans mon bal, Ezana reste. Asali na ba oyo ba tikali ba yete. Yako total isaka. C'est pourquoi nous avons toujours l'église n'yon s'entende connaître tout là. Ce n'est pas tout les, toute l'église qui sera enlevée. Il y a d'autres frères qui seront enlevés. Il y a d'autres frères qui resteront sur la terre. Bon ami. Pourquoi? Quand lorsque le Seigneur avait formé Ève, le Seigneur l'avait fait dans la pensée que Ève, dans son accouchement, aura des douleurs d'enfantement. Comment est-ce que nous le comprenons? Lorsque ils ont péché, dans les, par rapport au péché, lorsque le Seigneur jugeait, voici la femme, au verset 16, il y a Genèse 3, Genèse 2, 3, Genèse 3, verset 16, Genèse 3, le verset 16, à le bénis-moi-ci, elle a dit, il dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. N'akoba qui s'akaba pas si. Donc il dit quoi? Cela veut dire Nenga Salaye. Donc en créant la femme, à Salaye, à Kobotaka na passe. Le Seigneur avait déjà créé la femme avec des douleurs d'enfantement. Mais le Seigneur est venu les augmenter. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est nous la femme. Jésus-Christ. Jésus nous manifeste dans l'œuvre de la croix. Mais avant que nous soyons manifestés, écoute, il dit.
vous plairerez. Vous vous lamenterez. Donc les autres même en vous tuant, ils vont penser avoir rendu un culte agréable. Avant déjà que vous ne puissiez vous manifester, le Seigneur a préparé les souffrances et les tribulations que nous verrons. Ces tribulations représentent la manière de réformer Ève. Dans son programme, Ève enfantera avec le douleur. Mais après, après la chute, le Seigneur n'a fait qu'augmenter les douleurs qui étaient déjà. Donc si on augmente, cela veut dire que les douleurs étaient déjà là bien avant. Maintenant, les douleurs de cette femme. Dès le Seigneur, elle va dire dans Jean 16. Jésus avait dit dans Jean 16. Moi, si vous avez la douleur de l'enfantement. Vous serez dans les douleurs de l'enfantement. Il y a mon ébé dans la tribulation. Et c'est ce qui est appelé comme des tribulations. Ma camba, ma casse de zone. Donc des choses difficiles. Mais ça fait une grande tribulation. Mais ça fait ma passe à mon ébé le cas. Dans le Melikuna de Genèse 3, augmentation. Dans le langage de Dieu de Genèse 3, c'est l'augmentation. Il y a douleur et enfantement. Il y a ma passe à mon ébé à moi. Donc il y a des douleurs. Donc il y a des douleurs. Il y a une augmentation. Tu combats qui ça va bien à ma passe ces années. La réalité, na mon solo, ils ont la tribulation. Il y a des tribulations, mais il y a grande tribulation. Mais il y a aussi la grande tribulation. Vous en avez maintenant? Vous suivez attentivement? Le temps où on dit mi au collègue bas tribulation. Aujourd'hui, toi, en croyant la parole, tu vas passer dans des tribulations. Mais nasi maliné toi. Mais après ton enlèvement, bah on va continuer là. Les frères qui vont rester, bah collègue ka grande tribulation. Ils vont passer dans la grande. Donc, augmentation y a douleur. C'est pourquoi l'Apocalypse 12. Et ça n'a reste y a postérité. Donc il y a les restes éthicali na kitani mais ça aussi na ba oyo bazali ko garder témoignage kaka ya zambe ya commandement de Dieu. Mais il y a aussi cela qui garde les commandements de Dieu. Oyo kota isa comme 144,000. Qui représente aussi les 144,000. On a quatre ya femme maintenant. Dans la femme maintenant. Je pense que vous comprenez quand même bien. Je pense que vous comprenez quand même. Et que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Et que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Que le Seigneur vous garde et vous protège à vous. Et que le Seigneur accomplisse en ta faveur. Et que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Prospère au nom de Jésus-Christ. Maladie est au nom de Jésus-Christ. Que la maladie t'abandonne au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là où c'était posé à toi, que tu puisses passer au nom de problème Jésus-Christ. Aux yango, le problème que tu as, les qui te dérange, gardez calme Jésus à ton résoudre au nom de Jésus-Christ. Jésus le résout en son nom. Notre Seigneur est puissant. Il est vivant. Quelle que soit la situation, ils ont un problème d'opération. Et ce sont les problèmes d'intervention. Et Seigneur, au Père, ça fait ça la sans cicatrice. Oui, tu vas la carte. Assassin, oui, le Père. Ça fait à tout moment. Il faut le croire en la grandeur. Il faut le croire en sa grandeur. Autant à mon nez, il y a une tambourine. Mais regarde pas la grandeur de mon problème. Autant à mon nez, il y a un sambre. Tu vas confesser la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu vas confesser la victoire dans ton problème. Ne doute pas, crois seulement. Le Seigneur est vivant. Nous prions au le Dieu de miracles. Le Dieu grand et comparable à Jésus. Tu es la source d'eau vive. Tu es la véritable victoire.
C'est toi qui changes les circonstances. Regarde dans les cœurs de ma soeur. Regarde les cœurs de mon frère. Tu es le Dieu vivant. Ta main délivre. Pardonne ses péchés. Délivre-lui de toutes les mauvaises voies. Écoute sa prière, oh Dieu. Que tout ce qui est à lui puisse changer. Que ta puissance puisse émerger. Toi, tu es en train de voir son cœur, oh Dieu. Qu'il puisse voir les changements. Qu'il puisse te voir le délivrer. De Jésus-Christ. Que ta puissance puisse garder ta vie, sa vie, puisse garder sa famille, qu'il vive des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ça fait un pas pour l'ayant. Gloire à Jésus.